Voici une tâche sans réponse préformulée. Le nombre naturel n est strictement compris entre 1 et 20. Anne additionne tous les nombres naturels de 1 jusqu'à n, compris, et Benji additionne tous les nombres naturels de n plus 1 à 20, compris. Ils trouvent la même somme. Que vaut ce nombre n? La somme des nombres naturels de 1 jusqu'à 20 se calcule par la formule de Gauss, c'est-à-dire pour déterminer cette somme, on prend le dernier des nombres naturels, on le multiplie par le suivant, et ensuite on divise ce produit par 2, ce qui donne ici 210. Puisque Anne et Benji trouvent la même somme, c'est qu'ils doivent nécessairement trouver la moitié de 210. Donc, pour Anne, le calcul est le suivant. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, qui se calcule en fait par le dernier nombre naturel fois le suivant divisé par 2. Ça, c'est la formule de Gauss. Et cette somme est égale à 105. Ainsi, nous obtenons cette équation-là avec l'inconnu n. Ce 2, on le met de l'autre côté, ce qui va donner là 210. Et à gauche, nous avons n au carré plus n. Ça mène de suite vers cette équation du deuxième degré, dont les deux solutions ont comme somme moins 1 et comme produit moins 210. Alors, ça ne peuvent être que les nombres 14 et moins 15. Et comme n doit être un nombre naturel, la solution c'est 14, d'où cette réponse finale. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.